Bonsoir. Les médicaments de la rue, ça tue. Que voit exactement ce slogan lorsque ceci pilule dans notre société? Il n'est pas un seul quartier qui n'ait sa petite pharmacie locale, pharmacie entre guillemets bien évidemment. Dans les grandes métropoles, il existe des points réputés être les marchés du médicament. Malgré les annonces des opérations de répression, ceux-ci prospèrent toujours. Mieux, ils se développent davantage. Au finish, doit-on comprendre que le ministère de la Santé publique et l'Ordre national des pharmaciens sont incapables de réguler le secteur et par ricochet laissent les Camerounais à leur propre sort, voire la mort? Que faut-il faire aujourd'hui pour changer la donne? Pourquoi la ruée vers les médicaments de la rue, malgré les investissements sur la qualité de ces derniers? Avec notre hôte de ce soir, nous essaierons de démêler les chevaux. Pharmacien, il est diplômé de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat au Maroc, diplôme obtenu en 2005. Il a à son actif 15 années de grossisterie. Il nous expliquera ce que ça veut dire. Il a été directeur, puis directeur général adjoint de Ubipharm. Le président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun est notre invité. Le docteur Franck Nana Sambou est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Alors, peut-être qu'avant de... Vous allez nous dire plus tard hein, ce que veut dire grossisterie. J'avoue que j'ai cherché, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Mais avant, dites-nous docteur, quel est le trajet normal du médicament de l'industrie à la pharmacie? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Avant de vous décrire le trajet du médicament, je souhaiterais vous dire ce que c'est que le médicament. D'accord. Le médicament, c'est toute substance active possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou humaines, animales ou végétales. C'est cela le médicament. Le médicament a un cycle de vie. Il commence par la recherche. On recherche à partir de plantes, du minéral ou des composantes chimiques. On le fabrique en industrie. Après la fabrication en industrie, pour la plupart au Cameroun, on l'importe par les grossistes répartiteurs, puis ceux-ci distribuent aux officines de pharmacie et à l'hôpital. Et enfin, les pharmaciens d'officine dispensent ces médicaments aux patients. D'accord. La dispensation se fait pour la plupart après une ordonnance du médecin. Voilà un peu le circuit du médicament. OK, ça c'est le trajet du médicament de l'industrie à la pharmacie. Oui. Donc, le pharmacien, comment il fait pour l'avoir dans sa pharmacie à lui? Tout d'abord, il faut savoir que le pharmacien, il est à la fabrication. Le pharmacien industriel. D'accord. Donc, il est déjà à la base de la conception et de la fabrication du médicament. C'est ce qu'on appelle le pharmacien industriel. Après avoir fabriqué le produit, le pharmacien grossiste répartiteur, c'est lui qui fait l'importation. C'est toute une autre école OK. liée aux aspects commerce, mais aux aspects sécurité et logistique. Lorsque le pharmacien grossiste répartiteur importe, il le distribue au pharmacien d'officine. Ce dernier, communément, que la population reconnaît comme pharmacien, s'appelle le pharmacien d'officine. C'est lui, en ce moment, qui dispense aux patients, généralement après réception d'une ordonnance ou lorsque ce sont des produits conseils. Il conseille donc aux patients. OK. Donc, ma question, en fait, c'est, ça veut dire qu'il y a des barrières. Oui, effectivement. Lorsqu'on est pharmacien d'officine, il faut présenter, j'ai envie de dire, patte blanche pour avoir les médicaments. Oui, le grossiste répartiteur, pour pouvoir livrer ou distribuer à une officine, doit s'assurer que cette officine a tous les documents requis. L'autorisation signée par le ministère de la Santé, les autorisations signées par l'Ordre des pharmaciens du Cameroun et éventuellement certains documents de la délégation de la santé de chaque région.
Donc le grossiste, avant de pouvoir livrer, doit s'assurer que tous ces documents sont disponibles avant de faire la livraison. Alors s'il y a toutes ces barrières-là, comment les médicaments font-ils pour se retrouver au coin de la rue, dans nos quartiers? Bonne question, mais la réponse ne peut pas être aussi simple ou lapidaire. Les médicaments qui se retrouvent dans la rue ont plusieurs sources, dont la première, selon nous et les différentes enquêtes, c'est la porosité de nos frontières. Vous savez tous, c'est comme le trafic de drogue. Les importateurs véreux, qui ne sont ni pharmaciens, parfois qui font dans du matériel tel que le ciment, le fer et tout, importent allègrement sans document. Parce que pour pouvoir importer le médicament, le pharmacien grossiste doit aussi présenter des documents au niveau de la douane et du ministère de la Santé pour pouvoir importer. Or, nous savons que des trafiquants et des importateurs qui n'ont rien à voir avec le médicament importent le médicament à travers parfois les voies régulières, les ports et aéroports, parfois par des voies non régulières. Nous avons des ports clandestins, des entrées clandestines à Idinao et dans tous ces autres endroits avec Kribi, Limbe et compagnie, voire dans la région de l'Est. La porosité de nos frontières font en sorte que nous avons des entrées frauduleuses du médicament sur le territoire. Et pour la plupart, voilà l'origine de l'entrée des médicaments frelatés et sous-dosés sur le territoire. Ça, c'est pour la plupart. Mmh. Donc, pour l'infime part, ça vient d'où? Je comprends vos questions et votre insistance sur cet aspect. Nous le disons souvent, il existe dans tout métier des brebis galeuses. Mais nous savons qu'il est vraiment marginal dans notre métier. C'est comme vous les journalistes. Vous avez forcément au milieu de vous des personnes dont on considère qu'ils ne sont pas des vrais journalistes, mais qui font ce métier. Il en est de même dans le secteur de la pharmacie. Néanmoins, pour cela, nous demandons et nous enquêtons toujours pour nous assurer qu'aucun pharmacien ne participe ou ne prête du flanc à ce métier qui est de la pire espèce pour nous. Parce que, in fine, c'est tuer la population du Cameroun. Donc, nous sommes toujours en train de mener des enquêtes. Nous n'avons pas encore mis la main de façon concrète sur des individus, mais nous avons des allégations comme quoi des pharmaciens ou d'autres corps professionnels du domaine médical seraient liés à cela. S'il en était que nous arrivions à trouver des pharmaciens qui soient liés, rassurez-vous, le conseil de l'ordre qui en son sein, un conseil de discipline, sévira de la plus grande manière. Ce pharmacien subira le sort qui est réservé à toute personne qui viole la loi. Dans les situations extrêmes et avérées, il sera tout simplement radié du corps de l'ordre des pharmaciens. Donc, tous les médicaments qui sont ici à Douala, au gazon, là, tout cela, ça vient des entrées poreuses? Parce que, bon, peut-être que votre enquête n'est pas arrivée là où la nôtre. Peut-être que nous n'avons pas interviewé les mêmes personnes, mais certains, là, affirment être livrés par des pharmaciens. Tout au moins, les gens de votre, du corps, en tout cas des pharmaciens. Donc, peut-être qu'il y a des brebis. Non, alors, il y a des brebis galeuses dans tous les secteurs. Chez vous, là, alors, je pense que ce n'est pas quelques-unes, hein, ça doit être la moitié. Parce que Douala, on connaît le gazon. Il est réputé. Une autre ville que je connais aussi, à Bafoussam, au marché A, on a un secteur qui est dédié à la pharmacie depuis des années. Est-ce que là encore, c'est juste des entrées poreuses, là? Ou alors le réseau est déjà tellement bien huilé que bon, tout le monde gagne sa part et on s'en fout du reste? Pour notre part, au sein du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, nous estimons
pour l'instant, n'avoir pas toutes les preuves. Lorsque un patient ou alors un membre de la société vous dit qu'un pharmacien l'a livré, est-ce un docteur en pharmacie ou alors un auxiliaire ou toute personne qui gravite autour de la pharmacie? Ça, c'est la première question qu'il faut poser. Parce que lorsqu'on dit docteur, vous savez tous au Cameroun, celui qui travaille dans une officine ou alors qui gravite s'appelle docteur. Ça, c'est le premier pas à enlever. La deuxième problématique, c'est s'il s'avère que c'est un pharmacien qui soit lié, nous vous donnons notre parole sur l'honneur. Ces pharmaciens seront traduits et leurs diplômes seront retirés. Vous savez quand même que le pharmacien qui va le faire, il ne va pas se dévoiler. Je veux dire, ces vendeurs de produits, de médicaments de la rue, excusez-moi le thème, il s'appelle aussi docteur. Donc, mais je pense qu'avec le temps, ils savent déjà qui est qui dans le secteur. Et logiquement, le pharmacien ne viendra pas avec sa casquette de pharmacien dire « oui, je suis pharmacien » parce qu'il sait ce qu'il risque comme, comme peine. Mmh. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'au moins sur ce point-là, il ne viendra pas se dévoiler. Peut-être que c'est à l'ordre d'approfondir son enquête. Pour cela, justement, nous sommes dans un comité multisectoriel de lutte contre les faux médicaments, les médicaments falsifiés et sous-dosés. À l'intérieur de ce comité, nous avons Interpol, nous avons la police, nous avons la gendarmerie, nous avons le ministère de la Santé, de la Justice, du Commerce. C'est pour vous dire, il y a une équipe qui a été constituée, le président de la République a créé ce comité. Il est en train de travailler, il est d'arrache-pied, pour que les enquêtes approfondies soient menées sur toutes les activités de tout un chacun. L'ordre n'ayant pas le rôle de police ou d'enquête, attend les conclusions ou soutient et donne des informations, échange des informations avec toutes ces administrations, toutes ces structures, ces institutions, afin que nous pouvions, nous arrivions à trouver le bon tempo où les personnes impliquées dans ce circuit. Dans ces enquêtes qui sont menées, qui sont encore préliminaires, nous sommes justement en train de peaufiner et d'avoir toutes les informations nécessaires. À l'heure actuelle, certains qui ont été arrêtés n'étaient pas des docteurs, mais se faisaient tous appeler docteurs, comme d'habitude. Et cela, forcément, nous mènerons, si ces pharmaciens sont liés, ils nous mèneront à ces pharmaciens en question. Mais à l'heure actuelle, depuis 4 mois que nous avons arrêté certaines personnes, pas nous, que la commission, à travers ses démembrements, les commandants de brigade et éventuellement la douane, ces personnes ne nous ont pas encore dit les différentes sources. Mais nous, la commission continue son travail. D'ici sûrement la fin d'année ou début de l'année 2022, Nous saurons si réellement des pharmaciens sont directement impliqués dans ce trafic ou pas. La commission, ça fait juste 4 mois, mais les médicaments de la rue sont, j'ai envie de dire, plus vieux que moi. Je suis née, ils existaient déjà. Donc, est-ce qu'on va attendre et attendre et encore attendre, sachant que vous-même, vous brandissez ce que ces produits-là représentent comme problème de santé pour la population? Est-ce que la commission là n'est pas un peu lente ou alors est-ce qu'elle ne vient pas un peu tard dans un monde trop vieux pour elle? Je pense qu'il y avait déjà par le passé des commissions. Cette fois-ci, elle existait déjà, cette commission, depuis plus de 2 ans. Il y avait beaucoup plus d'opérations coup de poing. Si vous vous souvenez, vous savez très bien que les opérations coup de poing, les sous-préfectures, et elle a continué de toutes les façons. Mmh. Aujourd'hui, cette commission qui n'a pas que 4 mois, elle a environ 1 an et demi à 2 ans par là, elle, en plus des opérations coup de poing, vous avez dit qu'il y avait des pharmaciens impliqués.
Donc la commission essaye de travailler sur tous ces angles cette fois-ci pour vraiment démêler le bon grain des livrets. Donc la commission élargit ses compétences pour pouvoir, en plus de l'opération coup de poing, la dernière en date, à Douala 5e, le sous-préfet a fait une opération coup de poing, a aidé à le sous-préfet en a fait. Le préfet, je crois, aussi de Douala 1er. Donc, dans toutes les villes, et récemment, on vient de m'apprendre qu'à Komotou aussi, il y a une opération qui a permis de déguerpir assez de kiosques de médicaments. Elles vont s'intensifier. Ici, la commission élargit ses compétences et veut s'assurer réellement que des nobles pharmaciens ne soient pas impliqués, ou alors toute profession médicale ne devrait pas être impliquée dans ce trafic. Ma réponse était de vous dire, jusqu'à date, nous n'avons pas encore eu le nom d'un pharmacien. Ceux qu'on a attrapés qui étaient des docteurs n'étaient pas des pharmaciens. Mais nous continuons, à travers le ministère de la Justice, à enquêter sur ceux qui ont été arrêtés pour voir jusqu'à où la filière s'arrête. À vous entendre, les brebis galeuses n'en existent pas chez vous, hein? Puisque tout le monde est blanc, tout le monde est clair, il n'y a pas de pharmacien là-dedans, mais le médicament de la rue prospère depuis des années. Et ceux de la route continuent de nous dire qu'ils sont fournis par quelques-uns de vos membres. Sinon, dites-nous, n'est-ce pas finalement les prix que vous appliquez en pharmacie qui poussent la population vers ces pharmaciens d'un autre genre? Cela aussi, c'est un débat qui n'est pas totalement vrai. Aujourd'hui, en pharmacie, il y a ce qu'on appelle communément des médicaments génériques. Ouais. Qui ne sont pas aussi moins chers que ça. Hein. Si je vous prends juste un exemple, la plaquette, je serai obligé de donner le nom du produit. Ouais, la plaquette de paracétamol dans une officine de pharmacie coûte 100 francs. Okay. Une plaquette de 10. Qui est le même prix qui se vend en médicaments de mauvaise qualité dans la rue. Donc nous nous retrouvons donc à ce matière. Deuxième exemple, il y a un médicament que je tairai le nom, parce que là c'est le nom du médicament, parce que le paracétamol c'est la dénomination commune internationale, c'est le principe actif. Ouais. Il y a un médicament qui est en boîte de 16, qui se vend à 500 francs le comprimé. Sous blister dans la rue. La boîte est de 16. Lorsque l'homme de la rue le vend à 100 francs, il se retrouve avec 1600 francs. En pharmacie, la même boîte coûte 1300. Vous voyez bien, lorsqu'un patient dit non, il est moins cher, quand vous faites le calcul, il n'est pas si moins cher, bien au contraire. Docteur, j'ai envie de vous dire que l'Ictacol contre la grippe, il coûte 300 francs en pharmacie, alors que chez le docteur du coin, il coûte 150 francs. Qu'est-ce que vous répondez aussi à cela? L'Itacol, en pharmacie, son prix est de 300 francs. Ouais. Alors qu'il sait que chez son voisin, avec 300 francs, il a deux boîtes. Il a... Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on a fait l'analyse physico-chimique de certains de ces produits, à l'intérieur de cet Itacol, il ne s'agissait pas de l'Itacol. On en a vu pendant la période, au début de Covid, vous avez vu la chloroquine qui a circulé. Elle était fabriquée quelque part dans nos pays, en boîte. Et tout, lorsqu'on a constaté, c'était de la farine d'amidon. Vous voyez bien, un médicament a un prix à minima. Si la boîte que vous disiez tout à l'heure, qui coûtait 150 francs, à combien revient uniquement l'emballage? Vous voyez qu'on peut faire le même calcul pour le paracétamol. C'est 10 comprimés à 100 francs, après il s'est emballé. Tout. Oui, non, lui il est en plaquette ouverte. Oui, l'Itacol il est... Non, il est bien, il est dans un emballage. Il est dans un petit papier. Oui, bon en fait... On ne va pas entrer dans la papeterie pour prendre le prix du papier, mais c'est dans un papier et du papier alu, donc... En fait, nous disons, chaque médicament a un prix au minimum, comme tout produit. Et il y a une commission qui existe au sein du ministère de la Santé publique, qui est la commission qui autorise les médicaments. Cette commission s'attelle
chaque fois lorsqu'elle siège, elle siège par trimestre, a fait enregistrer des produits tout en faisant baisser les coûts de ces produits pour les patients. Nous siégeons aussi au sein de cette commission qui est dirigée par le ministre de la Santé, où nous assurons à chaque fois que les médicaments qui demandent une autorisation de mise sur le marché ont des coûts plus bas que ceux qui existent actuellement. Donc pour la population, nous faisons, ou alors le ministère de la Santé fait des efforts afin qu'il y ait une accessibilité en termes de coûts pour les médicaments. Donc pour moi, la notion de cherté doit être corrélée vraiment à la qualité. Nous disons, en pharmacie, c'est vrai, il y a des produits qui ont des prix onéreux parce que lorsqu'un laboratoire a fabriqué un produit, a mis du temps pour faire de la recherche, ce produit a un coût élevé. Mais son générique, par contre, a un coût plus bas. Donc le patient peut bien demander, je souhaite avoir l'équivalent ou le générique de ce produit. Lorsqu'il existe, il verra sa facture, parfois divisée par deux. Dites, parlez-nous de la différence entre le générique et est-ce que c'est parce qu'il est de moins de qualité? Est-ce que c'est le coût de l'emballage ou pourquoi ça diffère, les prix diffèrent? Lorsqu'un médicament est fabriqué, pour qu'il soit fabriqué, il met environ 9 à 11 ans. Il y a les étapes de recherche pour savoir, en plus du principe actif, quel est l'excipient, c'est-à-dire la matière première qui va avec le produit, et ça met énormément de temps. Et cela coûte de l'argent au laboratoire fabricant. Après 10 ans, 10 à 11 ans, le laboratoire perd le brevet sur ce produit. Lorsqu'il perd le brevet, tout pharmacien industriel peut pouvoir le fabriquer s'il en juge nécessaire. Le générique est un médicament équivalent au princeps. Celui qui fabrique le générique n'a pas participé à toute la recherche, puisque les composants du produit sont connus. Il va récupérer différents composants et fabrique le produit. Forcément, son coût est parfois la moitié du coût du princeps. Mais le princeps, lui, continue d'être commercialisé sur le territoire. Il ne peut pas être enlevé parce qu'il y a le générique. Et souvent, le générique change un peu de forme par rapport au produit pour pouvoir baisser le coût. Un produit peut être fabriqué à l'origine sous forme effervescente et un équivalent se met sous forme comprimé sec. Vous voyez, ça fait baisser le coût du produit. Donc, globalement, mais même lorsque c'est sur la même forme, le coût est toujours moindre. Donc il y a assez de variantes en pharmacie aujourd'hui pour que chacun trouve. Il y a assez de variantes aujourd'hui en pharmacie pour que chacun, en fonction de sa bourse, puisse trouver satisfaction. Maintenant, c'est comme toute chose dans la vie. Vous voyez bien, il y a différents types de voitures. Tout nous amène à destination. Mais le Camerounais qui dit qu'il veut payer sa humeur, ou bien qui veut payer une VX, vous n'allez pas l'obliger à payer un Renault 2. Il est libre de payer en fonction du nom du laboratoire. Il décide de dire, je veux plutôt tel médicament que mon médecin m'a prescrit. Donc, d'où parfois les différences des prix. Mais celui qui n'a pas assez de bourse peut demander au pharmacien. Celui-ci, dans la plupart des cas, en accord avec le médecin prescripteur, substitue le produit du patient. Parce qu'on doit rester dans la thérapeutique et s'assurer que le produit est équivalent à celui qu'a prescrit le médecin. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la mauvaise qualité de ces médicaments. En général, vous dites que ce n'est pas bien conservé. Les propriétés ne sont pas bonnes. Vous avez parlé de la chloroquine avec, c'était de l'amidon. Est-ce que vous avez, je vais peut-être un peu exagérer, est-ce que vous avez mené vraiment les recherches sur tous ces produits-là pour savoir qu'ils sont de bonne qualité? En fait, la question, je la pose parce que vous dites qu'ils sont mauvais. Parallèlement, on a la ruée
vers ces produits-là. Et je me dis, si un Camerounais rentre chez le docteur, ça veut dire qu'il a trouvé satisfaction. Peut-être qu'il est allé, on a prescrit, le docteur a prescrit, il est guéri. C'est pour ça qu'il revient demain. Est-ce que vous avez mené des recherches sur ces produits-là, sur la qualité de ces produits-là? Parce que je voudrais aussi qu'on... Peut-être que vous avez aussi mené des recherches de ce côté-là. Dans les produits qui viennent du fait de la porosité de nos frontières, est-ce qu'ils sont tous de mauvaise qualité? Ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin légal qu'ils sont douteux? La définition d'un médicament de mauvaise qualité, falsifié, sous-dosé ou tout ce qui s'apparente à la vente illicite, c'est tout médicament qui sort du circuit formel. Ça, c'est la définition première. Je vous dirais, des enquêtes et des tests ont été menés sur ces médicaments. Au Laboratoire national du contrôle des médicaments à Yaoundé, par d'autres pharmaciens au sud-ouest à travers des tests qu'on appelle la chromatographie sur couche mince, ou bien alors sous haute pression, l'HPLC, pour pouvoir détecter et rechercher les substances et les quantités de principes actifs à l'intérieur de ces produits. Dans la quasi-totalité, ces produits étaient sous-dosés, voire absence de principes actifs à l'intérieur. Je reviens donc à une de vos questions. Sachez qu'il y a ce qu'on appelle un effet placebo. D'accord. Sur un médicament. Il suffit que parfois quelqu'un vienne vous dire « Va, tu as été soigné », que vous sentez guéri. Sans avoir pris, parfois il peut mettre de l'eau ou alors de la farine dans un comprimé. Toute la population n'est pas sous l'effet placebo. Si, vous savez, pour qu'un produit puisse être fabriqué, mm-hmm. il y a ce qu'on appelle des tests et on passe à travers les tests avec un placebo. Ouais. Un produit peut avoir une matière active. On a testé sur des animaux. Elle réduit ou elle a une activité pharmaceutique reconnue. Lorsqu'on fait un test randomisé sur la population, on fait à plusieurs groupes. Et dans un des groupes, on donne du placebo. Lorsque dans ce groupe de placebo, ils reviennent, et nous constatons une sorte de satisfaction ou de guérison. Le produit que nous avons administré, puisque c'est fait à l'aveugle, à un autre groupe, si dans ce groupe, le nombre de personnes guéries n'est pas assez significatif, le produit est tout simplement retiré. Pourtant, il a une substance active reconnue. Vous voyez que le placebo ici a été supérieur ou alors a avoisiné le produit. À ce jeu, vous voyez très bien qu'un produit peut contenir de l'eau, puis de la poudre de perlimpinpin. On se retrouve dans la rue et le docteur du quartier vous dit « ceci va vous soigner ». Le simple fait parfois de vous rassurer ainsi. Un autre pan de vos questions, vous dites « la population a été soulagée ». Aujourd'hui… Je suppose, je veux dire, si on rentre chez ce docteur du coin, ça veut dire qu'on lui fait confiance, on a obtenu satisfaction. Oui, mais vous voyez, dans un pays subitement… On ouvre 10 hôpitaux de dialyse. On met la pression sur le gouvernement. Il n'y a pas de réactif. Mais pourquoi subitement dans un pays, le nombre d'insuffisances rénales augmente? Ce sont ces mêmes personnes qui hier partaient voir le docteur de la rue. 5 ans, 10 ans après, se retrouvent avec des insuffisances rénales. Est-ce que c'est vérifié ça, donc? Ah oui, il y a des thèses des étudiants à pléthore dans les différentes facultés. C'est démontré. Le taux d'insuffisance rénale, pour la plupart, est corrélé à la mauvaise utilisation parfois des médicaments, puis à l'utilisation des médicaments frelatés. Le médicament est un poison. Mal utilisé, par des mains inexpertes, il devient pire qu'une arme. Lorsque les patients utilisent ces médicaments qui ont, je vous le disais, qui sont sous-dosés. La maladie ou le plasmodium baisse un tout petit peu.
vous avez des sensations de guérison. Après quelques temps, vous revenez. C'est la même dose. Parfois, votre corps joue un équilibre et vous vous sentez mieux. Mais les déchets liés aux matières premières substances actives dans ces produits toxiques vous bousillent les reins à petit feu. Plus tard, vous ne vous rendez pas compte, c'est l'utilisation de plusieurs de ces médicaments qui font en sorte que nous avons un taux élevé de pathologie. Comme je vous disais, même en pharmacie, on vous dit lorsqu'un médicament que vous avez pris a des effets délétères ou secondaires sur vous, vous devez revenir tout de suite dans les jours qui suivent, revoir le pharmacien pour qu'il monite. Il note ses effets. Il peut vous dire arrêter le médicament parce qu'il sent que le risque peut conduire à autre chose plus tard. Or, dans la rue, le monsieur ne vous a jamais dit de revenir. Vous ne revenez jamais. Pour lui, il l'est sûr. Or, ça travaille bien. Voilà. Or, le pharmacien vous dit attention, si vous avez un souci, vous revenez. Ouais, lui, c'est le professionnel du médicament. Il sait que tout médicament peut avoir certaines autres conséquences, parfois plus dramatiques. Il essaie donc de doser. Mais le docteur Larue, pour lui, le médicament, c'est l'alpha et l'oméga. On a donné ça, ça va soigner. Et puis, donc, vous voyez bien la qualité, le rapport, ou bien la pratique de ces deux types de... Pas de je ne peux pas dire de ces deux types de praticiens, vous voyez là. Qualité du pharmacien, il doit suivre son patient, s'assurer qu'il n'y a pas un problème. Et lorsqu'il y a un problème sur ce produit, il doit demander l'arrêt et le changement de ce produit. Et il doit notifier au ministère de la Santé afin qu'une autre enquête soit lancée sur le produit en question. Puis parfois, ce produit soit retiré du circuit. Lorsque plusieurs patients, à travers parfois le pays ou d'autres pays, subissent ou ont les mêmes effets indésirables. D'accord. Alors, vous nous dites que ces médicaments sont néfastes pour la santé. Vous connaissez très bien où sont placés ces commerçants. Vous multipliez, vous avez parlé tout à l'heure des opérations coup de poing, mais rien ne change. Est-ce que, une fois de plus ici, on ne va pas se dire que vous êtes quelque peu complice de ces commerçants-là, puisqu'ils le font au vu et au su de tout le monde? Vous, c'est l'ordre des médecins. Des pharmaciens. Des pharmaciens, pardon. Mmh. Alors, est-ce que là, on ne peut pas dire encore que vous êtes complice de cela? Puisque c'est la mort que nous allons acheter là-bas. Je dirais encore que c'est un peu raccourci, vite fait. Mais je vous comprends. L'ordre des pharmaciens n'a pas de gendarmerie, n'a pas de police. Elle travaille avec les entités coercitives. Et aujourd'hui, nous sommes en train, avec toutes ces entités, la préfectorale, d'essayer encore une fois de plus de travailler réellement la main dans la main pour montrer les dangers de ce fléau. Tout comme le zouazoua qui a été arrêté sur le territoire, nous demandons aux autorités qui déjà font des efforts, mais de faire encore plus pour pouvoir arrêter et mettre fin à ce danger qui, pour nous, est pire que le zouazoua. Pourquoi? Vous voyez dans les écoles ces derniers temps, les dépravations des mœurs. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on enquête, ces enfants ont pris ce qu'on appelle le yamo, le tramol, c'est tout ce que ça se prend dans la rue. Et ces enfants qui font des orgies entre 11 ans et 16 ans, vous voyez bien qu'ils sont sous l'emprise de certaines drogues toxiques. Pareil, le médicament, la route du médicament, c'est la même route de la drogue. Donc, si on arrête réellement le faux médicament, je dis, le faux médicament, c'est la même route que celle de la drogue. Si on réussit à arrêter, nous verrons baisser l'introduction de drogue dans nos pays. Donc nous souhaitons aujourd'hui, une fois de plus, demander aux autorités de nous aider et de travailler de concert afin que ces zones reconnues dans ces grandes villes soient réellement éradiquées.
Un exemple simple. Lorsqu'on sort de l'hôpital de la Quintigny, les gens sont en face. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de sortir d'un hôpital, de renommer et de crever en face. Et quand vous dites, par exemple, sur les pharmacies, vous voyez bien qu'en face, il y a une pharmacie qui est en difficulté. Donc, elle ne peut pas être en difficulté et puis et se donner à quelque chose qui va à l'encontre de ses propres intérêts. Donc, vous voyez, nous subissons aussi le contre-coup de cela. Plusieurs pharmacies aujourd'hui au Cameroun ont des difficultés parce que justement la rue a pris le dessus. Mieux, nous avons fait sortir des facultés et nous avons fait prêter serment à plusieurs de nos jeunes confrères qui ne demandent qu'à travailler. Or, pour qu'ils se déploient, il faut bien qu'il y ait des espaces. Certains, lorsqu'ils se déploient, ont la concurrence des kiosques et autres. Avec toutes les charges à payer, ils se retrouvent en difficulté. Donc, nous lançons donc un cri d'alerte que les autorités, le ministère du Commerce et la douane puissent, ensemble avec le ministère de la Santé et les différents ordres, travailler sur ce problème. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que même si complice il y a, même si pharmacien il y a, vous n'avez pas encore pu mettre le doigt. Est-ce qu'ici, on ne comprend pas, je reviens sur mon expression complicité, hein, mm-hmm. parce qu'on a eu ici au Cameroun le phénomène des CD piratés, où on a vu des artistes eux-mêmes pirater leurs CD. Mm-hmm. Et lorsqu'on disait qu'il y aura répression, eux-mêmes, ils courent encore dire à leurs distributeurs, « Oh les gars, la répression arrive. » Sinon, comment, avec toutes les opérations de répression, tout le tapage qu'il y a, le ministre de la Santé lui-même est descendu sur le terrain, mais demain, non, pas demain, quelques heures après, tout le monde est là. Et avec la boutique achalandée de la même façon. Est-ce que finalement, vous ne comprenez pas qu'il y a, j'ai envie de dire, le ver est dans le fruit. Vous-même, vous avez des gens au sein de votre organe qui ne jouent pas franc jeu. Je ne jurerai pas la main sur le cœur, mais comme je vous ai dit tantôt, nous avons lancé réellement des investigations. Quand je vous dis que nous avons lancé, nous les avons lancées. Nous espérons que nous ne tomberons pas sur un de nos confrères. Parce que nous avons qualité à juger nos confrères, pas les autres. Nous espérons que nous ne tomberons pas sur un de nos confrères. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faut quand même changer de stratégie? C'est-à-dire? C'est-à-dire que celle que vous pratiquez maintenant est dépassée, il faut penser à autre chose. Puisque depuis ça prospère, est-ce qu'ici il ne faut pas changer de stratégie? En fait, nous avons lancé avec le ministère de la Santé plusieurs stratégies. Mm-hmm. Je ne vais pas les dévoiler ici. Bien sûr. Plusieurs stratégies ont été lancées. Mm-hmm. Je préfère vous dire qu'une seule enquête ou bien a été lancée, mais nous avons déployé plusieurs stratégies au sein du ministère de la Santé et de l'Ordre pour nous assurer que les brebis galeuses, en tout cas en ce qui concerne le médicament de la rue, ne sont pas, comme j'emprunte votre expression, le ver n'est pas dans le fruit. Parce que là, ce ver sera estipé, tout simplement. Et le fruit sera gâté aussi. Non, nous allons reparer ce fruit, parce que l'objectif pour nous, c'est la santé publique de nos populations. Nous ne pouvons pas être ceux qui voulons une meilleure santé publique, les garants de la santé publique en matière du médicament, et les fossoyeurs de cette santé publique. Non, nous refusons d'être complices. Et nous passons donc un appel à tous ceux qui, de près ou de loin, seraient liés à cela. Si cela est le cas, de cesser toutes ces activités. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, comme vous le disiez, que pendant plusieurs années, on combat et il continue. Et nous avons toujours la même rengaine. On a l'impression que nous sommes impliqués. Mais je vous rassure, jusqu'à date, nous n'avons ceux qui seront pris. Nous menons les enquêtes.
Je ne peux pas vous dire qu'il y a déjà certaines personnes, mais je vous le dis, nous menons les enquêtes. J'ai envie de dire que peut-être que ce sont juste des succursales, c'est-à-dire que le pharmacien d'officine a pris, il a respecté la procédure et il a créé sa petite succursale dehors pour, un peu comme dans nos marchés, il y a ceux qui ont les boutiques et ceux qui se placent sur la chaussée. Ils disent que c'est pour tacler ceux qui sont rapidement en route. Peut-être qu'ils veulent tacler ceux qui sont en route alors que non, c'est un peu... le produit au finish n'est pas de mauvaise qualité. Il a suivi le circuit, mais l'objectif, c'est écouler sa marchandise. En fait, c'est le circuit du médicament un peu plus complexe. Mais même ce dont vous parlez, nous sommes en train de vérifier parce que nous n'excluons aucune piste. D'accord. C'est vrai que notre circuit est un peu plus complexe que cela. Mais nous n'excluons aucune piste. Nous avons mis sur pied aussi une équipe pour faire cette vérification. D'accord. Parce que ça fait partie sûrement d'un système. Nous allons vérifier si certains pharmaciens utilisent, d'officine, utilisent des stratagèmes pour pouvoir faire. Et nous aviserons. Donc là-dessus, ça veut dire plusieurs stratégies ont été mises sur pied, que ce soit du petit détaillant à l'industriel, ou au grossiste répartiteur. Ok. Alors, médicaments de la rue, aubaine pour le patient ou fléau de santé publique? Tout est là la question. Aujourd'hui, la population pense que c'est une aubaine. Pendant, pendant la table ronde, nous allons essayer de ressortir éventuellement ces deux aspects. Et nous allons nous questionner nous-mêmes. Pourquoi certains pensent que c'est une aubaine? Et nous allons démontrer peut-être le fléau que subit le patient et l'économie du pays. Parce que en plus de cette vente illicite, l'argent qu'engrangent ces personnes qui sont liées échappe totalement à la fiscalité. Ça, c'est à vérifier aussi. Parce que là où ils sont au gazon, là-bas, ils payent les... Attention, ceux qui sont au gazon, ils payent et les frais de mairie, d'occupation temporaire de la chaussée et tout. Donc, là encore, c'est un autre débat. Allons-y dans les... Je préfère d'abord rester sur vos débats sur la question des frais de mairie. Ouais. S'ils le payent, c'est une illégalité, justement, ou attirer la attention des autorités, la loi, elle est claire. La vente illicite du médicament est prohibée et interdite. On ne saurait prélever de l'argent sur... C'est comme si vous me dites aujourd'hui qu'on peut prélever de l'argent sur la prostitution. On prélève l'argent sur la vente de la drogue. On prélève l'argent sur la vente des armes. Docteur, ce n'est pas moi qui vous informe que ces gars sont au gazon. Oui, justement. Au vu et au su de tout le monde. Oui. On ne va pas me dire que la mairie ne passe pas là-bas. Juste... D'ailleurs, cette partie vient d'être quadrillée pour bien réglementer la paye. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est flagrant. Je vous comprends très bien. Donc, l'argent ne peut pas échapper complètement à la fiscalité. Là-bas, j'ai dit, la fiscalité, c'est vrai qu'elle est de plusieurs ordres. Ouais. Celle que payent les officines aujourd'hui ou celle que payent les pharmaciens de façon générale, les biens au-delà des frais de mairie. Je n'en disconviens pas. Je veux dire que même si c'est 25 francs, c'est fois combien? Oui, juste. Là, ça devient quelque chose. D'accord, mais pour nous, nous rappelons quand même à l'État, aux impôts, parce que celui qui vend, il n'a pas un registre de commerce. Vous savez très bien que lorsque vous avez un registre de commerce, à quel taux est placé votre fiscalité? Bien sûr. Donc, c'est un argent qui aurait servi à construire des écoles, construire des routes, que l'État n'en a pas. Maintenant, vous me parlez des mairies. Je vous rappelle tout simplement que si d'aventure les mairies le font, qu'elles sachent qu'elles sont dans l'illégalité. Parce que la loi, elle est claire sur la question. Aucun prélèvement, du moins fiscal ou autre, ne doit être fait sur la vente illicite du médicament, puisqu'elle est punie par la loi. Idem que la vente de la drogue, que la prostitution, que la vente des armes. Donc, nous rappelons tout simplement à ceux qui d'aventure font ce prélèvement, qu'au contraire, ils devaient la combattre avec nous. Et non pas, justement, une des approches de ces dix docteurs, c'est là qu'ils payent quelque chose. Donc ça leur donnerait le droit d'exister, parce qu'ils payent. Mais non, nous disons,
ceux qui le prélèvent sont au même titre soumis à la loi du pays que nous. Donc nous pensons bien pour nous que... D'où le volet complicité que j'ai relevé tout à l'heure. Peut-être ce n'est pas juste vous, c'est tout un circuit. C'est pour ça que j'ai dit, il y a de la complicité là-dedans. Sinon, on ne devrait pas avoir des lieux où on sait que ils vendent. C'est-à-dire que ce sont des industries qui se passent de père en fils. Moi, j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis née, le médicament de la rue existait. Peut-être que ça a même existé avant moi. Le gazon, il est célèbre à Douala. Au marché A de Bafoussam, il y a un couloir de la pharmacie qui est célèbre. Vous n'allez pas me dire que dans ce marché, il n'y a pas des prélèvements communaux qui sont faits. Donc, il y a des complicités, y compris avec les pharmaciens. Nous suggérons en plus aujourd'hui que la loi sur la criminalisation de la vente illicite du médicament soit plus dissuasive que celle qui existe. Que le gouvernement puisse signer la convention Medicrim, qui criminalise à travers le monde entier cette pratique. Et que notre loi, qui pour nous nous semble, je vous ai dit, le médicament est une drogue. On ne peut pas criminaliser la drogue et le séparer du médicament. Il Absolument. faut qu'il soit en parallèle. Parce qu'aujourd'hui, le vendeur de drogue se cache quand il vend de la drogue. Il faut donc qu'il sente la même pression pour dire, attention, si je, par inadvertance, les autorités m'attrapent avec des médicaments, la sanction sera pire que tout ce que j'ai gagné dans ma vie. Je crois qu'à partir de ce moment, nous commencerons à faire baisser. Pour la population, je vous ai dit, nous sommes tous dans la même population. Nous avons tous des frères et des sœurs. Nous nous battons pour l'accessibilité des médicaments à coût réduit. Entrez dans les pharmacies et demandez, vous verrez, vous serez surpris de voir que oui, des pharmacies parfois détaillent même des produits contre les ulcères en sachet. Donc, il y a de, pour toutes les bourses en pharmacie. Que la population soit rassurée. Et en plus, elle a le conseil gratuit, le suivi gratuit. Elle peut revenir en cas de problème avec son médicament. S'il savait que c'est le médicament, le pharmacien est censé soit récupérer ou l'orienter au mieux. Ce qu'il ne trouvera pas de l'autre côté. Le pharmacien est responsable du médicament qu'il donne à son patient. Vous voyez bien sa responsabilité. Par contre, le fameux docteur du quartier, de ce qu'il vous a donné à la première sirène de la police, il abandonne tout et puis il s'enfuit. Vous n'avez jamais vu une pharmacie fermée parce qu'on est venu, on est en train de l'enquêter. Elle ne peut pas fermer. Elle a une sorte d'autorité qu'elle est obligée de subir tout l'interrogatoire normal. Donc elle a pignon sur rue et elle est là pour satisfaire ses patients. D'accord. Vous avez relevé un aspect là qui m'interpelle un peu. Les pharmacies, est-ce qu'ils ont des prix standards ou on aussi, ça aussi en fonction du quartier, j'ai envie de dire. Parce que le médicament que j'achète au rond-point d'Edo n'a pas le même prix que celui que j'achète à Akwa. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légal? Vous savez, il y a ce qu'on a appelé la libéralisation D'accord. des prix. Ça, c'est un premier côté. D'accord. Mais les pharmaciens se sont rangés à uniformiser les prix, malgré qu'il y a eu la libéralisation. Avec le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, on a uniformisé les prix. Vous aurez des produits dits parapharmacie qui subissent la TVA. Et lorsqu'elle subit la TVA, le calcul est différent d'une pharmacie. Alors là, ce ne sont pas des médicaments. Ce sont des produits parapharmacie. Docteur, il faut bien expliquer, parce que quand vous commencez avec des termes un peu parapharmacie, c'est quoi la différence? Parce qu'on a des ordonnances où le médecin a donné, je ne sais pas si dans cette ordonnance-là, le médicament, là, c'est de la parapharmacie ou pas. Le constat est clair que, je dis une enquête qui a été faite. Le médicament acheté à la pharmacie, situé, j'ai pas envie je ne spécifie pas vraiment On ne devrait pas donner celle-là. le nom de la pharmacie, Non, je oui. ne donne pas le nom de la pharmacie, mais je dis ça diffère d'une zone à une autre. Non, cela ne devrait pas différer d'une zone à une autre.
prix du médicament est uniforme sur tout le territoire. Il y a ce qu'on appelle la péréquation. Même si une pharmacie, un patient est à Kousséri, le prix d'un médicament, des médicaments les plus connus, seront les mêmes. Vous avez parlé de parapharmacie. Bon, maintenant, pour la parapharmacie, vous avez un peu embrouillé. Non, vous avez des laits. D'accord. Lorsque vous avez certaines pathologies de la peau, le dermato peut vous prescrire des laits spéciaux. On ne dit pas des laits décapants, des laits vraiment. Ces prix de lait pour le corps vont varier d'une pharmacie à l'autre. Parce que ces produits ont une TVA. D'accord. Et en fonction du calcul de la TVA, parfois, le calcul est fait de telle sorte qu'il y a une double TVA pour faire court. Si certains d'autres mettent une seule fois la TVA, d'autres mettent deux fois la TVA. Parce que le volume qu'ils vendent en ce type de produit, pour certaines pharmacies, est assez infime. Donc, ils doivent payer la TVA aux fournisseurs et repayer la même TVA à l'État. Alors, certaines pharmacies qui vendent ces produits en grosse quantité ne seront pas sujettes au même type de calcul. Vous voyez bien que certains de ces produits se retrouvent donc en train d'avoir une variation. Mais je puis vous rassurer que pour la plupart et pour la quasi-totalité, si d'aventure vous avez des produits qui varient, on ne parle pas de 5 francs ou 10 francs, vous en convenez avec moi? Oui, bien sûr. Si vous avez, je serais ravi de les avoir à inbox et... Je ne manquerai pas. Nous approcherons de nos confrères pour nous assurer de savoir le pourquoi. Ces différents produits, surtout ce sont des produits distribués par des grossistes, par raccourci en fait, distribués par des grossistes répartiteurs sur le territoire. Ils ont le même prix puisqu'ils nous proposent des prix au public. D'accord. Là, vous nous donnez encore une autre expression. C'est quoi la grossisterie et c'est quoi grossiste répartisseur? Est-ce que c'est eux, chez eux là, que nous allons avec nos ordonnances acheter les médicaments? Non. Vous avez parlé des pharmaciens d'officine. Les pharmaciens d'officine arrivent en aval. D'accord. En bout de chaîne. Oui. Ce sont des pharmaciens qui sont en contact avec le patient. D'accord. Juste au-dessus d'eux, dans la chaîne du médicament, vous avez ce qu'on appelle les grossistes répartiteurs, communément appelé la grossisterie. D'accord. Mais c'est la répartition pharmaceutique. C'est des étapes intermédiaires entre l'industrie et l'officine. Des grossistes, des pharmaciens, grossistes répartiteurs qui sont chez nous ce qu'on appelle la division C. Les pharmaciens d'officine, c'est la division A. Pharmaciens grossistes répartiteurs, c'est la division C et les fabricants, division B. Donc, c'est eux qui sont à cheval entre les deux. C'est eux qui achètent les produits à l'industrie et le répartissent aux pharmaciens. Ce sont donc les distributeurs des hôpitaux et des pharmaciens d'officine. Et la différence des prix, donc, ne devrait pas être à quel niveau entre les grossistes répartiteurs ou officine, pharmacien d'officine. Vous me donnez l'occasion encore justement de poser notre problématique. D'accord. Cette fois-ci justement au ministère de l'économie, plus précisément au service des douanes. Parce que justement, lorsque certains grossistes répartiteurs importent des produits, certains de ces produits sont grevés d'une TVA. Lorsque l'autre grossiste répartiteur importe, il n'y a pas la TVA. Vous voyez bien, celui qui va vous vendre son produit sans TVA, mais elle aura un prix plus bas. Celui qui a importé et qu'on a changé la position tarifaire douanière de ce médicament, dites en passant, dans l'analyse entre la douane et les pharmaciens là-dessus, parfois ils ne s'accordent pas, et on place en position tarifaire d'un produit qui doit payer une TVA. Lorsqu'un produit a une TVA, son prix, vous voyez bien, elle se multiplie. Nous avons certains faits qui sont nécessaires pour la grossesse. Vous voyez, mais sur certains grossistes, on nous dit non, ces faits sont des produits avec TVA. C'est encore un autre problème de santé publique parce que si des mamans qui doivent prendre un fait à 1500 se retrouvent en train de, par mois, se retrouvent en train de le trouver à 3000-3500 en pharmacie, vous aurez vu cette différence, vous nous aurez dit oui, le pharmacien. Vous voyez bien tout de suite qu'il y a... Chez docteur, il y a... Voilà, justement.
voyez qu'il y a tellement de problèmes au niveau de la pharmacie que nous sommes en train de répertorier et de travailler sur tous ces soucis-là pour qu'il y ait une sorte d'uniformité, pour que le patient n'accuse pas forcément le pharmacien qui, lui, essaie de répercuter le prix qu'on le livre pour lui. À côté de cela, j'ai envie de préciser qu'on a un autre problème parce que il arrive parfois qu'on arrive en pharmacie, on nous dise celui-ci, c'est le même médicament, pas qu'il soit générique, c'est le même médicament, mais on nous dit celui-ci, c'est celui qui est vendu en Europe, ça c'est pour l'Afrique. Comment on gère cela? Moi, j'ai vécu personnellement cette situation-là. Si vous voulez, celui de l'Europe, il est plus cher, il est deux fois plus cher. Celui-ci, c'est pour l'Afrique. Est-ce que ça veut dire que c'est bas de gamme et haut de gamme? Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? Celui qui va, le grossiste, celui qui importe, il choisit ce qui est moins cher pour nous ou la mauvaise qualité pour nous? Non, il ne s'agit pas de la mauvaise qualité. Vous savez, un laboratoire ou une industrie peut avoir plusieurs sites de fabrication. Ok. Donc, c'est soit en Afrique du Nord, d'autres sont en Asie, d'autres sont, en Europe. Et lorsque vous voyez, parfois, les boîtes de ces médicaments, vous sentez la différence entre ces différentes boîtes. Oui, les couleurs sont différentes, voilà. C'est clair. Pour la plupart, lorsque un produit est en rupture sur le territoire, parce que les grossistes répartiteurs qui importent ont un circuit bien défini, le pharmacien d'officine ou certains grossistes répartiteurs qui ont un certain portefeuille de produits importent le produit directement de la France ou de la Belgique, avec des autorisations bien sûr du ministère de la Santé. Ces produits ainsi importés parce qu'il y a eu rupture sur la chaîne d'approvisionnement du pharmacien grossiste répartiteur se retrouvent en train d'avoir des prix légèrement différents. Vous comprenez moi que l'industrie qui a produit l'autre boîte et l'autre industrie qui a produit l'autre boîte auront forcément des prix. Vous prenez un exemple, une voiture rendue Dubaï et une voiture qui vient de l'Angleterre, la même marque parfois, vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux prix. Le pharmacien avait dit, ça c'est ce qui est vendu en Europe, ça c'est ce qui est vendu en Afrique. Mm-hmm. Il n'a pas essayé de trouver d'autres mots. Il a clairement dit, certains produits ne sont pas vendus, c'est-à-dire que c'est spécifié. Donc on a l'impression que, puisque vous parlez de ce qui importe, est-ce qu'ils choisissent les produits qu'ils doivent importer? Je suis d'accord qu'il y a des personnes qui voudront acheter des produits, comme vous avez parlé tout à l'heure, comme des marques de voitures. Mais lorsqu'on a cette information-là dans une pharmacie, ça fait réfléchir un peu. Non, je vous réexplique. Lorsqu'un produit est en rupture sur le territoire à travers les grossistes, Nous avons d'autres types de grossistes, parfois qui sont spécialisés dans l'import des produits spécifiques en rupture. Ils font une demande au ministère de la Santé à travers la direction de la pharmacie. Et parfois l'origine ou l'industrie où ceux-ci font l'importation est différent de l'industrie où les autres grossistes importaient le plus souvent. Parce que l'industrie première où le pharmacien importait est totalement en rupture. La production est soit arrêtée, soit il y a un souci au niveau de la production. D'accord. Ou pallier momentanément, le pharmacien grossiste lance des dérogations spéciales et importe un produit similaire, identique, parfois du même labo, mais dans deux industries totalement différentes. Le prix d'un médicament, vous savez bien, en Europe est différent d'un prix de médicament produit en Afrique du Nord. D'où j'emboîterai le pas pour moi pour dire aujourd'hui
que nous devons lancer une industrialisation au Cameroun. Ça va pallier à toutes ces différences que nous voyons sur le terrain. D'accord. À côté de cela, les commandes aussi en ligne, selon certains médecins, comportent beaucoup de médicaments contrefaits. Les commandes qui sont faites en ligne, c'est-à-dire que via les pharmacies, vous pouvez venir avec votre ordonnance, on vous dit on ne l'a pas sur place, ou ce type de médicament est commandé, c'est-à-dire qu'on ne les met pas là en stock. Selon certains médecins, beaucoup de commandes de médicaments en ligne sont des produits contrefaits. La commande des médicaments en ligne est strictement, la vente en ligne est strictement interdite. Pas la vente, c'est-à-dire que le pharmacien passe sa commande via Internet. Je ne sais pas trop comment est-ce que vous passez cela, mais ils ont clairement dit la commande de certains médicaments en ligne. C'est-à-dire que via Internet, c'est beaucoup de ces médicaments-là ne sont pas de bonne qualité. Peut-être j'entends, nous n'aurons pas peut-être la même compréhension, mais pour moi, le médecin ne peut parler que de la commande par le patient vers la pharmacie. Parce que ce qui se passe en back-office, il ne peut pas savoir. Le médecin ne peut pas savoir comment faire le pharmacien. Donc s'il parle de faux médicaments, j'espère comprendre bien la problématique. Pour moi, je la connais un peu. C'est la commande du patient via des nouvelles technologies vers son officine. Non. C'est-à-dire le patient, lui, vient à la pharmacie. Oui. Il a son ordonnance. Oui. Il donne au pharmacien et le pharmacien lui dit, ce médicament, on ne le garde pas en stock. Oui. Nous devons passer la commande, donc revenez dans une semaine. C'est la pharmacie qui dit au patient. Et dans une semaine, le patient revient récupérer son médicament. C'est parce qu'il se retrouve face à des difficultés qu'il rentre voir son médecin et ce médecin-là lui dit, ce médicament a été commandé en ligne et il est donc de mauvaise qualité. Et c'est un constat que eux, médecins, ont fait. Je ne pense pas que le médecin, en ce moment, puisse savoir comment le pharmacien a fait pour commander. Est-ce en ligne ou est-ce sa voie normale de commande? Puisque c'est le patient qui lui a dit, le oui. Médecin, voici ce que la pharmacie m'a dit et voilà comment ça s'est passé. Le patient lui a dit, le pharmacien a passé la commande. Oui, en ligne. Il peut... Je vous comprends, mais je vous répète encore, puisque moi j'ai mon officine. D'accord. On n'a qu'une ou deux voies de commande. D'accord. Et on a des fournisseurs agréés chez qui on passe. Si le pharmacien a passé sa commande sur un médicament donné que le médecin a demandé, ce pharmacien, ce sera sur son même fournisseur. Dans le cas concret, ce que vous me dites, je n'arrive pas à le cerner, mais dans le cas concret, j'aimerais bien avoir une ou deux boîtes de ces cas pour m'assurer. Parce que je vous le dis encore et je le répète de façon ferme, la passation des commandes en ligne à des sites est interdite. Justement parce que ces sites, s'il s'avère que ce soit vrai, ces sites vendent pour la plupart des faux médicaments. Nous savons le phénomène des patients qui passent plus de commandes par ces sites en question. Attention, nous le savons, mais nous avons mis en garde tous les pharmaciens qui s'adonneront à cette pratique. Mais nous savons bien que les patients sont venus nous dire, nous en officine, ils nous ont montré, on a dit, mais vous voyez bien la différence entre le médicament où ce site vous a livré et les nôtres. Parce que justement, nous savons que ces sites s'approvisionnent dans des circuits en Inde et dans tous ces autres pays de façon frauduleuse dans des usines qui ne respectent pas les normes, qui ne sont pas agréées. Or, le pharmacien est censé s'approvisionner et avoir une liste de ses fournisseurs connus par le ministère de la Santé. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé, vous nous avez dit ce que c'est que le médicament. J'ai envie de demander comment est-ce qu'ils sont fabriqués. Est-ce que tous sont faits par des produits chimiques, par des plantes? Ou alors, comment est-ce qu'est fabriqué un médicament? Le process n'étant pas industriel, mais je suis pharmacien, nous avons fait des stages en industrie.
Le process du médicament, il peut être soit à partir des plantes. Il était à l'origine à partir des plantes. Vu le nombre d'individus sur Terre, vous convaincrez avec moi que vous n'allez pas, dans ce cas, il faudra raser peut-être toute la forêt pour en faire des médicaments. Et même là, après, il faudra encore, puisque après, dans un arbre qui a peut-être, je dis n'importe quoi, 50 kilos, on va retirer à peine 500 grammes ou 1 kilo de matière active. Et puis après, pour que notre arbre repousse, il nous faut 50-100 ans. Il y a eu des synthèses de molécules qui sont similaires à celles des plantes, qui ont permis donc de fabriquer d'autres médicaments. Aujourd'hui, des médicaments classiques, pour la plupart, pas tous, sont issus de la synthèse des plantes. Mais il existe bel et bien des médicaments issus des plantes dans nos officines. Est-ce que c'est de là que vient votre, j'ai envie de dire, inimitié avec ceux de la pharmacopée traditionnelle? Pourquoi il n'existe pas un amour réel entre vous si, prenons le volet où certains produits sont faits avec des plantes? Vous savez... Pourquoi vous ne vous aimez pas beaucoup? Vous savez, on ne se déteste pas. Ah d'accord, ça va. On ne s'aime pas non plus. Non, on s'aime. Mais l'amour fou, je ne vois pas où vous voulez en venir. Mais ce qui est sûr, je peux d'abord vous rassurer pour vous dire, allez aujourd'hui dans toutes nos facultés de pharmacie et médecine. Tous ces docteurs qui sortent, tous ces étudiants, la plupart de leurs thèses, c'est sur des plantes. Ils fabriquent des phytomédicaments à base de plantes. C'est ce qu'on a vu à l'école. On a plusieurs matières qui sont liées aux plantes médicinales. La pharmacognosie, la phytothérapie, la biologie végétale. Nous avons baigné à l'intérieur pendant nos 7 années d'études, en plus des mathématiques, de la physique et de la chimie et de la sémiologie. Nous avons fait des plantes médicinales ou alors de la phytothérapie, notre dada au quotidien. Donc nous savons très bien de quoi il en résulte les plantes. Mais nous sommes parfois un peu gênés de trouver qu'on nous dise un médicament soigne 200 maladies. À un certain moment, nous demandons, mais c'est quelle qualité de... À quel niveau on se situe? Vous ne pouvez pas me dire en même temps qu'un médicament va vous soigner les maux de tête, va vous soigner les maux de ventre, va vous soigner l'aménorrhée de la femme. On dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? À l'intérieur de chaque médicament, il y a des molécules. Il y a des substances actives que nous pouvons extraire et identifier que cette plante renferme tel type de propriété. Avoir des propriétés ne voudrait pas dire, in fine, qu'elle est active à 100% sur telle pathologie. Donc, vous voyez bien, à un certain moment, nous, on se réserve de donner nos points de vue. On n'a pas dit, nous savons aussi ce qu'on appelle, au niveau du ministère de la Santé, il y a ce qu'on appelle les MTA. Ce sont les médicaments traditionnels améliorés. Ouais. Donc, on l'appellera encore les phytomédicaments. Il y a plusieurs catégories de MTA. Et catégorie 1, médicaments façon grand-mère. Le miel, citron, ça apaise un peu le mal de gorge. Vous savez très bien, lorsque une bactérie vous tient à la gorge, quand vous avez fini de boire ce que la grand-mère a fabriqué, après 2-3 jours, quand vous commencez à avoir la fièvre, vous courez à la pharmacie. Mais si au début, vous commencez à prendre certains phytomédicaments pour être à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais lorsque la pathologie s'installe véritablement, nous convenons avec tout le monde qu'il faut aller au-delà des médicaments façon grand-mère. Donc il y a MTA catégorie 1, catégorie 2, qui sont des produits extemporanés que personne ne peut fabriquer avec une certaine composition, connaissant les plantes
et qui peuvent, après 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, être conservés. Au-delà, pour conserver un liquide ou un sirop, il faut des stabilisateurs. Il faut des produits à l'intérieur qui empêchent les germes de se produire. Alors, vous prenez parfois certaines préparations, décoctions que les gens ont faites, qui ont fait 1 ou 2 mois. Quand vous mettez sur vos narines, vous n'arrivez pas à respirer, vous suffoquez. Mais on ne va pas nous dire d'intoxiquer. On ne dit pas que, que nous avons aussi baigné tous. Nous venons tous d'un terroir. Nous avons grandi avec la grand-mère. Chaque chose, elle a ses limites à un certain moment. Si vous voulez vous faire opérer, le radiopraticien n'opère pas. Il ne va pas sortir un antibiotique ou un micronidazole pour mettre dans la blessure. Il y a ce que les phytomédicaments peuvent faire, mais qu'on ne nous amène pas à dire que les phytomédicaments, à ce niveau de préparation, sont équivalents aux médicaments produits en pharmacie. Parce que ni la dose, parfois, n'est répertoriée, ni la façon de prendre, le nombre de fois de prendre. Parfois, on vous dit, oui, nous avons fait, quand nous étions petits, parfois nous en faisons. Pour soigner, pendant la période de Covid, pour soigner, on vous dit, oui, vous chauffez de l'eau, vous mettez du sel gemme, vous mettez de l'oignon, vous mettez à 100 degrés, vous rentrez à l'intérieur, ça va tuer le virus. Mais vous à moi, le virus qui est dans votre corps, comment c'est le chaud qui va venir dans vos narines va le soigner? À un moment, nous savons, il y a des limites à toutes choses. Même dans la médecine traditionnelle, lorsque le pharmacien a des produits conseils, il y a un niveau où le médecin forcément doit intervenir, comme dans la plupart des cas. Donc, chacun doit reconnaître à quel niveau il doit fabriquer son médicament. Lorsqu'un médicament MTA est de catégorie 3 ou 4, il devient industriel. Il doit respecter la norme édictée pour la fabrication des médicaments dans tout un pays. C'est de cela que nous voulons dire à tout le monde. Nous n'avons pas d'inimitié contre... Vous ne montrez pas non plus l'amour. Hein. Vous montrez rapidement leurs limites. Est-ce que vous aussi, les pharmaciens, est-ce que vos médicaments aussi n'ont pas des limites? Je vous ai dit tantôt. Je pense que la pharmacopée ne vient pas dire qu'elle est légale de la pharmacie dite moderne. Je pense que on est davantage dans la complémentarité. Nous aussi, on peut, parce qu'on a l'impression que le pharmacien dit, là-bas, tout est mauvais. On ne connaît pas les dosages, on ne connaît rien, la conservation. Vous tranchez net. Je ne pense pas que dans mon propos, j'ai tranché net. Non, je n'ai pas dit. Quand je dis vous, c'est les pharmaciens. Okay. Malheureusement, pour vous, vous représentez tous les pharmaciens du Cameroun. Donc, oui. Je suis obligée de vous taper un peu dessus. Vous tranchez net. Est-ce que tout est mauvais dans la pharmacopée traditionnelle? Je vous ai dit tantôt, dans la fabrication de ce que nous appelons les médicaments traditionnels améliorés catégorie 1, catégorie 2, ouais, qui ne nécessitent pas des produits qui doivent être conservés pour 2, 3, 4, 5 jours. Nous conférons à chacun peut-être le droit de faire sa petite fabrication. Mais nous prenons le soin en matière de santé publique de faire vérifier par un pharmacien pour qu'on s'assure réellement que les germes ne sont pas à l'intérieur de leur produit. C'est le minimum. Et nous souhaitons que ceci se rapproche aussi des facultés. Je crois qu'il y a bien un comité, un consortium où siègent des professeurs pharmaciens et des enseignants pharmaciens dans ce comité, de se rapprocher pour cette complémentarité en question. Mais quand il va falloir s'agir de la fabrication réellement industrielle et plus sophistiquée, puisque après, je vous dis, en matière de santé, vous êtes parfois plus exigeant. Si lorsque on ne vous a pas traité comme il faut, vous retournez pour dire, mais attention, ce n'est pas... Très en colère. Voilà. Ce n'est pas ce qui devait être. Et lorsque arrive cette période, on se retourne vers le pharmacien et c'est lui qui prend tous les pots cassés pour dire, mais vous aurez dû. En ce moment, on oublie que nous avons laissé d'autres personnes, des mains inexpertes peut-être, s'associer à cela. Mais docteur, avec la validation de certains produits de la pharmacopée, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, est-ce qu'on ne doit pas comprendre là que désormais vous devez travailler ensemble? Mais nous travaillons ensemble. Je vous ai dit que... Mais nous n'admettons pas. Il nous faut une certaine rigueur.
Pour, je vous ai dit, ces produits sont appelés, si vous regardez très bien, parce que je comprends, ouais. Vu le raccourci que certains ont pu le dire, ce sont des médicaments qu'on a validés. Regardez très bien ce qui est. Ce sont des adjuvants au traitement. Effectivement. Donc, pour qu'on soit sûr d'être sur la même longueur d'onde. C'est la bonne expression, voilà. C'est l'expression qui a été donnée. Justement. Mais nous avons vu certains de ces promoteurs faire passer dans les chaînes de médias autre message. C'est bien précisé. Vous voyez bien, si lorsque on veut travailler ensemble et qu'on fait les ouvertures de brèche et qu'on se retrouve plutôt à un autre discours, on a tout de suite l'impression de dire est-ce qu'il ne fallait pas qu'on resserre encore un peu plus pour que les choses soient bien entendues. Mais je vous le rassure, je vous ai dit, l'Afrique a ses traitements à proposer pour toutes sortes de maladies. Nous n'en disconvenons pas. Mais nous disons, la santé, elle n'a pas de continent. Une santé, tout individu mérite une santé et un traitement normal, qu'il soit en Amérique, en Asie, en Europe ou en Afrique. Nous ne pouvons pas faire une santé au rabais sous le seul prétexte que c'est une santé à l'africaine. Pour cela, nous travaillons et nous demandons encore à travailler à travers les facultés, avec l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins et tous les autres ordres, à travailler ensemble pour que ces crédits praticiens qui veulent vraiment aller comprennent la rigueur que nous tous nous demandons. Parce qu'il s'agit, nous avons eu des patients qui sont passés parfois dans ces centres et quand ils arrivent dans l'hôpital, le cas est tellement, les cas sont graves qu'on certains nous diront, je suis allé, j'ai été soigné. Tant mieux, c'est bien. Mais et ceux qui, pour la plupart, sont revenus dans le circuit dit, je dis bien dit, moderne. Parfois rattraper le coup. Avec des complications. Nous souhaitons même que même chef, soit du crédit praticien, soit aussi de temps en temps mis dans le système de santé. Il y a une sous-direction au ministère de la Santé qui puisse travailler dans des hôpitaux. Pourquoi pas voir, éprouver la médecine. Il y a un côté médical que nous pouvons reconnaître. Vous voyez, dans certains pays d'Afrique, de l'Ouest, ils interviennent dans les pathologies psychosomatiques. Ils accompagnent des personnes en souffrance pour pouvoir expliquer et s'accommoder. Il y a tout cet accompagnement qui est parfois nécessaire. Pensons qu'ils peuvent, mais toute chose a ses limites. Nous devons reconnaître que toute chose a ses limites. Même nous, en matière pharmaceutique, nous reconnaissons les limites. Très bien. Alors, quel a été le rôle du pharmacien dans la lutte contre... Quel a été et quel est son rôle jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on est toujours en plein dans le coronavirus. C'est une très bonne question. Le pharmacien, la COVID-19 a démontré la fragilité de notre système de santé, l'absence d'industrialisation. Nous le disions déjà depuis. Mais lorsque la COVID est arrivée, vous avez vu, même les États ont bloqué la sortie des médicaments chez eux. Chacun voulait soigner sa population. Une anecdote que nous avons tous suivie à la télé, une grande puissance venue sur le tarmac de l'aéroport ramasser les produits de notre puissance. Si vous imaginez qu'à ce niveau, ils étaient, imaginez-vous, si nous pouvions avoir des produits, c'est vous montrer comment la lutte était âpre pour soigner sa population. Pendant cette période, si vous vous souvenez, il y a dans le traitement de la COVID, il y a des antidouleurs, il y a des antibiotiques. Vous n'avez pas senti de façon due une rupture de ces produits. Parce que justement, les pharmaciens que nous appelons pharmaciens grossistes répartiteurs avait anticipé, suite à des informations qui venaient pas, on a dit attention, voilà le traitement qui va être. Donc des commandes ont été passées tout de suite en cours de livraison, avant que l'Inde ne ferme ses frontières, certains bateaux étaient déjà partis. Ce qui a permis parfois à la population d'avoir des antibiotiques qui ont permis. Les pharmaciens ont aussi participé dans cette période à la vulgarisation et la fabrication des gels. Parce qu'à un certain moment, c'est vrai qu'ils en fabriquaient, mais il fallait vulgariser la formule des solutions de dégel pour que ceux qui pouvaient en fabriquer, en fabriquaient. Parce que dans un cas de pandémie, on était comme un cas de guerre. Parfois, vous-même, vous n'avez plus le temps, vous étiez submergé. Il fallait aussi que d'autres, ce sont des préparations simples à voir.
Ah, soit dit en passant, vous voyez bien que là-bas, le pharmacien a décidé aussi de partager avec les autres. Les gens venaient en pharmacie, on leur montrait quel était le dosage pour ci ou ça, parce que chacun estimait, parfois c'est vrai, on avait peur que les patients viennent contaminés, donc il fallait aussi lui donner le soin de se confiner chez lui, de préparer ses propres gels. Donc les pharmaciens ont participé à ça. Et sur le territoire, les quelques industries qu'il y avait aussi, qu'il y en a, ont fabriqué des paracétamols et tout ça, parce qu'à un certain moment, justement, les frontières ont été fermées chez les pays asiatiques. La production locale nous a quand même permis de juguler un certain nombre. D'où le cri d'alerte que nous posons aux autorités qui ont déjà, c'est vrai, commencé à s'impliquer sur l'industrialisation. Nous demandons encore un gros effort. Nous souhaitons que le Cameroun puisse avoir un solide tissu industriel pharmaceutique. D'accord. Alors, docteur Franck Nana, vous êtes, on l'a dit, le président de l'Ordre national des pharmaciens. Et la journée mondiale de la pharmacie se célèbre le 25 septembre prochain. Nous n'y sommes pas encore. Mais vous avez une série d'activités. Parmi celles-ci, vous avez évoqué, on a évoqué un peu avant le volet médicaments de la rue. En dehors de cet atelier, de cette table ronde où vous allez parler du médicament de la rue, vous allez également parler de la position du médecin, du pharmacien pendant cette lutte contre le coronavirus, où vous estimez avoir être le soldat thérapeutique, c'est ça? Non, nous estimons, on dit, un soldat. Ah, un soldat thérapeutique. Voilà, un soldat dans l'arsenal thérapeutique. Thérapeutique, En d'accord. fait, c'est tout un arsenal. C'est d'accord. Le médecin a été au front, il est toujours au front, les infirmiers avec. Mais en arrière, il faut parfois quelqu'un pour charger les munitions. Parce qu'on D'accord. voit un plan de guerre, il faut certains pouvoir faire d'approvisionnement. Nous voulons, par ce thème de la table ronde, relever la place du pharmacien et demander aux pharmaciens de s'impliquer encore un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, comme hier, le pharmacien, c'est un professionnel de santé de proximité. Le patient vient le consulter, pas forcément avec une ordonnance, vient le consulter pour plusieurs choses. Il doit être à même d'orienter, d'aider, de conseiller le patient sur la pandémie de l'heure, avec toutes les entorses que nous voyons dans les réseaux sociaux. Il faut bien que les professionnels de santé jouent leur rôle de santé publique, expliquent de temps en temps à la population. Parce que nous estimons que le pharmacien a le background nécessaire et il peut, au vu de tous ces questionnements que la population se pose, mieux édifier son patient, qui est son voisin de quartier, qui est son frère, sur les enjeux, le rôle et le comportement à avoir. Donc, au cours de cette thématique, nous allons donc encore mettre un coup d'accélérateur avec, au bout, la vaccination, qui fait partie de l'arsenal thérapeutique. Aujourd'hui, et nous disons merci, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont ouvert la vaccination au niveau des pharmacies pour ce qui concerne le coronavirus. Donc, d'ici quelques temps, c'est resté à notre demande, les pharmaciens pourront vacciner en liaison avec l'hôpital de district le plus proche, les patients, et pourront aussi renforcer le conseil sur les mesures barrières et toute autre chose qui tourne autour de la COVID-19. Alors, tout à l'heure, le vaccin, c'est un médicament préventif. Oui. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la durée qu'il faut pour penser un médicament. Selon vous, est-ce que le vaccin, ou alors les différents vaccins, ont respecté cette durée-là
Et plus loin, comprenez-vous la réticence aujourd'hui de la population à se faire vacciner? Vous savez, les vaccins qui ont été produits ont eu par le passé déjà ce type de vaccin. Il y a ce qu'on appelle le vaccin classique d'avant. On atténuait le virus avant de l'inoculer. Ouais. Le vaccin ARN messager, il a été développé depuis Ebola. Oui, bien que ça date. Ouais. Ce n'est pas nouveau. Ceux qui croient aujourd'hui que c'est sorti là, oui, peut-être pour le vaccin, mais c'est une technique depuis les pathologies Ebola. C'est ça qui est en cours. Donc c'est une technique éprouvée. La pathologie est arrivée et les chercheurs ont tout de suite compris que la banque de données qu'ils avaient depuis longtemps, elle pouvait être exploitée. Donc, maintenant, en ce qui concerne la COVID-19, vous allez me dire, oui, ça n'a pas mis long. Mais je vous dis, ce type de vaccin avait déjà été éprouvé. Peut-être, quelqu'un dirait, on attendait peut-être la bonne pathologie pour la vulgariser. Est-ce qu'il y avait autant de vaccins, c'est-à-dire qu'une pathologie et 10 vaccins? Est-ce que ça aussi, ce n'est pas jeter le doute? Finalement, on ne sait pas. Qu'est-ce que je prends? C'est Sinopharm? C'est Johnson & Johnson? Est-ce que c'est Pfizer? Est-ce que c'est Sputnik? Qu'est-ce que je prends pour une seule maladie, autant de vaccins et les doses qui varient? Au commencement, il faut le vaccin. Après, on a 2 doses, 3 doses. On ne comprend plus. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui concourt à nous perturber tous? Cela ne devrait pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que, vous savez, en cas de pandémie, si vous faites des recherches, vous verrez les différentes pandémies par le passé. Il y a toujours eu ce débat à chaque époque. Lorsque la pandémie arrive et que les chercheurs trouvent une solution, on a toujours comme une méfiance. 40 ans après, on dit oui, ils avaient raison. Moi, je peux dire aux gens, comparaison n'est pas raison, c'est vrai. L'Europe, les États-Unis ne peuvent pas s'élever. Injecter à la population ceux qui doivent les tuer. Simplement pour cette simple analogie, je dirais aux gens, mais arrêtez, si nous on voulait nous tuer, ou bien sûr, nous buvons tellement de bière que ce serait plus facile de nous tuer. La sardine nous importons. Qu'est-ce que nous n'importons pas pour qu'on ne puisse pas nous tuer? Mais bon, passer ce fourrier. Là aussi, on peut discuter parce que on a beaucoup de dons. Oui. Et lorsqu'on sait que la main qui demande est en bas, est-ce que c'est la bonne qualité qu'on nous donne? Raison pour laquelle le système qui est en train d'être mis en place par le gouvernement et la plateforme des ordres, médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, infirmiers, il y a toujours une partie de gratuité que le gouvernement doit prendre en charge. D'accord. Les vaccins que nous allons en officine aider le système de santé dans ces deux. Il y aura des vaccins payants. Il y aura des vaccins payants qui seront mis en pharmacie. Celui qui voudra se rassurer pour dire « je veux mon vaccin payant », ça sera sous cette forme. D'accord. Il y aura des vaccins gratuits qui sont liés à la convention COVAX et autres, qui seront eux gratuits, qui seront aussi dans le système d'officine et dans les hôpitaux. Donc vous aurez ces deux types. Et ça me revient à la première problématique des médicaments de la rue et leur coût. On ne peut pas dire en même temps qu'on va dans la rue pour le moins cher et lorsqu'on veut faire les vaccins gratuits, on nous reproche de faire les vaccins gratuits. À la fin, nous sentons que la population veut juste une défiance sur tout. Mais je vous rassure, rassurez-vous. Peut-être parce que vous avez construit un flou autour de cela et ils sont devenus sceptiques. Sinon, je comprends très bien ce que vous dites. D'accord. Que la population se rassure, nous sommes là tous pour la santé et nos frères et nous-mêmes faisons partie de la population. Très bien. Nous allons sortir de cette émission. Vous organisez une série d'activités dans le cadre de la Journée mondiale de la pharmacie. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est une grande première qu'il y ait une grosse organisation derrière. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Je vais vous dire merci beaucoup. On va vous suivre certainement dans le cadre de ces activités-là. Et
que cette vulgarisation du pharmacien continue. Merci, docteur Franck Nana. Je vous remercie. Comme je n'ai pas parlé de mes activités. On a eu à parler déjà des tables rondes et de leurs thèmes. Je pense non, que pas vraiment. Bon, on a développé là-dessus. Mmh. Vous allez parler de la, des médicaments de la rue. On a longuement parlé de ça. Vous allez parler du coronavirus et du pharmacien. On vient de s'étendre là-dessus. Donc, nous avons participé à notre niveau. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à très bientôt.